Voici Jean-Dominique Besnéard. Ça va, Jean-Dominique? Ça va très bien. Alors, ce court-métrage et ces courts-métrages seront un succès à Cannes et celui de bien y douter déjà. Cher Nagui, pas besoin d'aller au secours de secours. Bon, je répète parce que j'ai l'impression que vous avez les Portugais ensablés. C'est le bordel. Pas besoin d'aller au secours de secours. Je veux dire que de ce court-métrage, faudrait quand même préciser à nos auditeurs qui ne sont pas supposés piger notre jargon cinématographique qu'un film, on appelle ça un long, et qu'un court-métrage, on appelle ça un court. Là où ça se corse, c'est quand certains longs sont jugés trop courts, et que certains courts sont jugés trop longs. Il y a même les moyens, et vice-versa. Ce qui n'est pas le cas du vôtre, je vous rassure, chère Mélanie Doutet, parce que j'ai vu votre court. C'est dégueulasse. Scénario. On pensera nettoyer la bonnette. Je pense qu'elle est morte. Elle est aseptisée. Scénario, réalisation, vraiment sans sas. Et le casting, mon cousin Dominique, il n'aura pas fait mieux. Et ce titre, Avanti, comme dirait Leïla, c'est un super titre polysémique. Ben oui, Nagui, polysémique, c'est pas une maladie. Hein. Ça veut dire que c'est à sens multiple. Avanti, ça définit déjà la posture des personnages de Scott, on l'a dit, toujours dos à dos, mais par conséquent, tous disposés les uns par rapport aux autres, tels le Dieu-Janus à deux visages, ou comme autant de figures de proue, donc tous au paradoxe avanti, c'est-à-dire en avant, bien qu'avançant, tous en marche arrière. Vous me suivez, Nagui? Très bien. Bon, avanti, c'est aussi une incitation à avancer, à foncer. Ça exprime une énergie farouche, celle des protagonistes de cette histoire. Avanti, c'est le ventre en avant de Louise pendant la grossesse. Avanti, c'est l'espérance. C'est l'espérance malgré la différence. Et la différence, en tant qu'orthophoniste des stars, oui. Ça me connaît. Oui. Mais si mon job consiste à redresser les voix des jeunes acteurs et actrices, chère Mélanie Doutet, je suis enchantée que les vôtres, ils suivent la leur de voix. On a compris. Bon, alors... Trapenard, qui c'est le plus fort ici? Trapenard avec son boomerang, il a compris qui c'était le patron. Bonne émission, les nages. Merci à vous. La bande originale, Nagui, sur France Inter.